Je voudrais vous saluer chaleureusement, vous tous qui prenez de votre précieux temps pour écouter le message de la paix. Il y a un frère qui m'a posé une question, je lui réponds tout de suite. Des gens, quand ils écoutent les vidéos et qu'on leur dit, bon, vous savez, faire les recherches, c'est pas tout le monde aussi, mais si tu ne peux pas faire les recherches documentaires, les recherches audiovisuelles, au moins, tu peux aller chez un vieux. Hein? Si tu as jusqu'à 50 ans, tu vas chez un vieux de 75 ans. Ils sont là, ils vivent. Ils savent beaucoup de choses. Les vieux, c'est des mines d'or. C'est des mines d'or. Mais si tu ne l'approches pas, ils ne vont pas crier dans la rue. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et on m'a dit que le vieux Abdoulaye Diallo qui a travaillé avec le président Foubouani, c'est vrai qu'il y a la COVID maintenant, ça fatigue un peu. Mais ce vieux-là, on dit, il parle de l'histoire. Il ne va pas parler des secrets de Foubouani, mais il parle de l'histoire, du vécu. Donc, sur une vidéo, le président Foubouani dit, et je le cite, Alassane Ouattara est de Kong. Alassane Ouattara est de la grande famille. Les héritiers de Kong, c'est le petit-fils de Sékou Ouattara. Vous savez, la guerre de Samori a eu pour conséquence de déstructurer la société parce qu'il y avait la guerre. Il est brillant. Il est compétent. Mais parce que il a étudié à l'extérieur, il a été quelques années loin du pays, beaucoup de personnes ne le connaissent pas et ils le traitent d'étranger. C'est mon fils. C'est l'enfant de mon ami Dramane Ouattara et de Nabidou Cissé. Grâce à lui, nous sommes en train de remonter la pente. Le pays était plongé et il est en train de nous aider à sortir la tête de l'eau. Je vous demande de le soutenir. Il travaille avec une équipe de 8 personnes, petite équipe. Je sais qu'il va réussir et il doit réussir. Je vous demande de le soutenir moralement. Mais ceux qui le traitent d'étranger, ce sont les opposants. Alassane va réussir. Parce qu'il maîtrise les deux grandes mamelles économiques du monde. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il va réussir. Il faut le soutenir. C'est notre enfant, c'est notre frère. Ça, fin de citation. Ça, c'est Oufoué qui l'a dit. Maintenant, les nombreuses préoccupations que je reçois, ce discours a été tenu en 1990, non, 91, pardon, s'il vous plaît. Donc, ce monsieur qui me dit que donc Bédi était opposant, il a cité des personnes qui étaient des opposants. Non, ils n'étaient pas opposants. Ils étaient dans le PDCI. Et le Prado lui-même, il était dans le PDCI. Il était le numéro 2 du PDCI. Il faut apprendre à les choses, au lieu de fatiguer les gens. Le Prado, Oufou était le numéro 1 du PDCI. Prado que vous voyez, qui est au RHDP là. Lui-même, il était le numéro 2 du PDCI. C'est-à-dire, après Oufou, c'était lui, il était au PDCI RDA. Le docteur Alassane Ouattara était au PDCI RDA. Numéro 2 du PDCI, du bureau politique du PDCI RDA. Oufoué, c'est le patron, il était le numéro 2. Bédi était au PDCI. Kablan Donka est PDCI. Adjoumani était au PDCI. Nous tous, petits, en bas, là. Nous aussi, on était PDCI, mais à un niveau plus bas, ouais, à l'école. Donc, à cette époque-là, c'est le RPI qui était à l'opposition, avec quelques partis politiques. Donc, c'est le RPI et les militants qui l'ont traité d'étranger. Ce n'est pas Bédi, parce que Bédi était ensemble avec lui. C'est quand Oufou était malade maintenant qu'il y a eu un semblant de concurrence entre Bédi, qui avait maintenant un groupe dans le PDCI, et le Prado aussi soutenu par un groupe, parce qu'il y avait la lutte pour l'accession au pouvoir. C'est
Quand Oufou est mort maintenant, là, quand le président Bédié a su qu'Oufou est mort, parce que si Oufou est là, que Bédié fait certaines erreurs, Oufou n'allait pas lui pardonner cela. Quand il a vu qu'Oufou a fermé les yeux, on l'a enterré, c'est là qu'il a écrit, Oufou est mort en 1993, le 7 décembre 1993. Et Bédié, en 1996, a écrit un livre pour dire que le Prado, c'est-à-dire 3 ans après, pour dire que le Prado est en jeu. C'est clair? C'est clair pour ceux qui n'aiment pas chercher, qui mangent Blakali et puis qui fatiguent les gens. Là. Quand on te dit quelque chose, tu vas auprès des gens. Sinon, ils vont te mentir. Tu seras perméable à tout vent. À l'est, on dit ça, tu es content. À l'ouest, on dit ça, tu es content. Au sud, on dit ça, tu es content. Au nord, on dit ça, tu es content. Au centre, on dit ça, tu es content. Si moi, tu me dis quelque chose tout de suite, là, la vérification, quand je suis en train de vérifier quelque chose, dans un pays, au nord du Sénégal, en ce moment-là, je suis en train de vérifier quelque chose en profondeur au nord du Sénégal. Parce que ce type qui m'a donné l'information, il pense que je suis un idiot. J'ai dit à quelqu'un qui est à tout bas au Sénégal, tu fais tel mouvement et puis tu vas vérifier tant dans tel village pour moi. C'est ça. Donc pour me tromper là, il faut t'asseoir. Hein. Il a parlé, je l'ai dit, ah c'est vrai ça. Et tu as raison. Hein. On dirait que... Mais... Jusqu'à ce soir, quand je vais venir du travail, j'aurai la réponse. Vous comprenez? Sois salué, mon frère Marius, grand homme, grand intellectuel, fierté de toute la Côte d'Ivoire. Sois salué, Marius Koudou. Tu es un homme. Donc, les choses se sont passées. À cette époque-là, il n'y avait pas RDR. Le RDR est né en 1994. Oufoué Boigny est mort en 1993. Donc, c'est un an après que le RDR a été créé. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais on n'est pas là. Et puis, tout ce qu'on dit, tu acceptes moutonnièrement. Non, c'est pas bon. Faut pas tout accepter. Parce que moi-même, à l'âge du Babatoundé, je n'aime pas ceux qui acceptent tout comme ça. Non, on n'est pas. La seule chose qu'on doit accepter, on dit Dieu a dit. Dieu ne le voit pas, il a dit là. On doit accepter. Tu regardes la Bible, tout ce qui est dit dedans là, c'est vrai. Tu regardes le Coran, tout ce qui est dit dedans là, c'est vrai. Tu regardes la Torah, tout ce qui est dit dedans là, c'est vrai. Voilà. Quand le pasteur a fini de prier, tu dis Amen. Quand l'imam a fini de prier, toi ton rôle c'est de dire Amen. Ça, c'est ça. Mais à part ça, quand Aladji Babatoundé a dit quelque chose, ce qu'il a dit là, moi je vais vérifier. Vous voyez où je suis là? Si tu me dis quelque chose, faut pas penser que je n'ai pas vérifié. Hein? Oh. Si tu me dis quelque chose, je vais vérifier. Hein? Je vais vérifier. Et puis, à partir de ce que tu m'as dit, si c'est faux, je ne te considère plus, tu es un faux type. Ou bien tu es une fausse femme. Donc, c'est ce que je voulais dire. Bédié n'a jamais, il n'était pas à l'opposition. Il était au PDCI RDA. Mais il était jaloux parce que quand le Prado est venu et qu'il a sauvé Oufoué Boigny de la honte, la grande honte et de la désolation, Oufoué lui a donné un poste stratégique que eux-mêmes, tous ces gars que vous voyez, ils n'avaient pas. Parce qu'il venait de sauver Oufoué. Oufoué était un homme très reconnaissant. Donc, c'est ce que je voulais dire à la première personne. C'est ce que je voulais dire à la première personne. Nous sommes dans une mouvance où le pardon nous appelle à la paix. Il faut saisir la paix là. Oui, l'eau Alexandre Guida, mon jeune oncle, soit salué, le plus grand sapeur de toute la génération. Oui. Donc, le Prado est une mine d'or. Le Prado est une mine d'or. Mais avant de parler du Prado, je voudrais dire quelque chose aux gars. Je n'ai rien contre les gars. Mais c'est la vérité que nous devons dire. Et puis quand je dis là, regardez. Moi, je n'ai pas souvent parlé de moi, mais il faut que comme ils me posent certaines questions en inbox, je vais leur dire. Nous sommes dans un monde d'intérêt.
Nous sommes dans un monde d'intérêt. Même quand nous allons à la mosquée pour prier, là, c'est pour que Dieu nous bénisse. C'est l'intérêt qu'on cherche, qu'on nous bénisse et qu'il nous donne le paradis des saints. C'est tout. Le jour où on a l'épreuve que Dieu, là, il y a plus, la mort est finie, il n'y a plus de mort, tout ça, personne ne va aller à la mosquée parce qu'on a peur, le tombeau, là. Et puis Dieu, les anges viennent te juger, là. C'est de ça que nous avons peur. Sinon, les gens, même en réalité, Dieu est contraignant. Est-ce que les gens aiment Dieu réellement? C'est parce qu'on dit, ah, Dieu a l'enfer, il a le paradis. Je vais aller à la mosquée tous les jours pour le prier, pour qu'un jour il ait pitié de moi. Donc il y a l'intérêt. Et puis je prie Dieu pour qu'il me bénisse. Donc il y a l'intérêt. Je prie Dieu pour qu'il me protège. Il y a l'intérêt. Je le prie pour qu'il me protège. Ceux qui vont à l'église là, qui crient, 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 on ne peut pas respirer. Ah, les tam-tam, brou, 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 on ne dort pas la nuit là. Il y a l'intérêt. Je vais aller à l'église pour me marier. Dieu va me bénir, je vais me marier. Je vais aller à l'église pour que Dieu me protège contre les maplao. Je vais aller à l'église pour avoir une vie de bonheur. Mais le jour où on prouve qu'il n'y a plus la mort, tout ça là, qui va aller à l'église? Donc on sert Dieu par intérêt. Vous voyez, l'université que vous voyez à Abidjan, j'étais à l'université là. J'étais à KKB. Mon ami personnel, on était à l'université. Si tu veux douter de mon passage à l'université d'Abidjan, il faut demander à KKB. Si tu veux douter de mon passage à l'université d'Abidjan, le directeur général de la police qui a convoqué Damana Picasso, là, il faut lui demander, parce que vous voyez, l'humilité, là, j'ai compris pourquoi les gens ne sont pas humbles. À un moment donné, je me faisais tellement petit qu'il y a des Cro-Magnons qui ont dit, il ne peut pas comprendre que ce monsieur-là a fait l'université. Ah, mais j'ai fait l'université d'Abidjan. Brillant à l'université d'Abidjan. C'est vrai ce que je vous dis. Tu vas voir M. Kouyaté ou tu l'appelles, tu dis, mais lui là, il a fait l'université. Mais j'étais trop humble. Avec tout le monde, on met la main sur moi, le placali, on fait tout ça. Donc, beaucoup, mais je ne peux pas parler de ma vie aux gens. Deuxièmement, après l'université d'Abidjan, je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication à Abidjan. Allez, Didier Bleu, Anne-Isabelle, nous tous, on a fait cette école-là. On a fait les soutenances. Quand le temps est arrivé, vous savez, quand tu es jeune, tu as dit, moi, je veux aller en France. L'école française de Lyon m'a dit d'annuler mon travail. Il considère que j'annule mon travail de souffrance à Abidjan avant de faire. Sinon, qu'est-ce que je vais aller faire? J'ai accepté d'annuler mon travail à Abidjan, c'est-à-dire de le rendre folklore pour aller reprendre l'année à Lyon, en France. Je suis venu à Abidjan. Demander à un refondateur qui m'a ouvert une porte. Je reprends une préoccupation. Il y a des gens qui m'écrivent à Newsbox. Il faut parler de Gbagbo. Je parle de lui en quoi? Parce que quoi? Il m'a fait quoi de bon? J'ai eu quoi de lui? Répondez. J'ai eu quoi de Laurent Gbagbo? Il a fait quoi? Ces hommes ont fait quoi? Il y a quelques-uns de mes collaborateurs, de ses collaborateurs qui me traitaient. Alors qu'ils étaient les gens du PDCI, ils me traitaient, j'entendais. Ils travaillaient quelque part. Et de dernier pas, c'est un PDCI. Là. Alors que le directeur de cabinet de Gbagbo était PDCI. Le secrétaire général de la présidence était PDCI. Et ils travaillaient les gens du PDCI, PDCI. Et donc, même quand tu vas les défendre, parce que ce que j'ai fait pour eux, à un moment donné, en tant que patriote, c'est-à-dire qu'en tant que républicain, c'est trop, hein. Ça pourrait valoir même 10 milliards. Je ne leur ai jamais rien demandé. Donc, à quoi est-ce que moi, je vais me prendre mon internet pour dire que je viens chanter Gbagbo? Parce que je suis dans les gueux de Zakouba, Zakouba, oura, Zakouba, Zakouba, oura. Moi, je peux prendre mon internet pour parler du Prado pendant 10 heures de temps sans repos, je peux prendre mon internet pour parler de M. Mbili Mbouamba, qui a été Mbili Mbouamba. Quand je devais immigrer au Canada, Mbili Mbouamba, patron d'une institution internationale. Vous comprenez? Le ministre Kofi Essao,
du Togo. Cette grande dame de Radio France Internationale, tous ceux-là, ils se sont coalisés avec le président d'une grande institution quelque part pour booster mes dossiers, pour booster mes dossiers. Mais je peux m'asseoir là pour parler de cette dame-là qui dit non, faut pas, cette dame française blanche qui dit non, 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 faut pas trop parler de moi. Mais je peux parler de Mbidi Mbouamba pendant 20 heures. Je peux parler du Prado pendant 50 heures. Parce que ce que le Prado a fait pour ma famille, pas moi-même directement, et pour ma région, et pour mes parents, et pour la Côte d'Ivoire, c'est visible, c'est palpable. Parce que quand tu es en train de parler là, celui qui est là va dire, c'est pas la personne. Il va dire, mais pourquoi tu parles de la personne? Il faut pouvoir te défendre. Oui, je parle du Prado parce que c'est comme ça. Nous, les intellectuels, on a raison. Mais on n'est pas là pour dire, je parle du Prado parce qu'il est de ma région. Je parle du Prado parce qu'il est beau. Je parle du Prado parce que sa femme fait la plus belle du monde. Non! Je parle du Prado parce que il a fait de grandes choses pour le pays, pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont fiers et cela est palpable et physique. Le Prado, il ne passe pas dans la boue, il est soutenu par des gardes de corps. Le Prado est comme Oufouet Boigny. Il ne danse pas pour danser. Le Prado a dansé à l'occasion de la campagne électorale, présidentielle. Le Prado, pour ceux qui disent n'importe quoi, le Prado a dansé à l'occasion de la campagne présidentielle. Parce que l'artiste est venu vers lui, il a dansé, nous sommes en campagne présidentielle, même ici, là. Nicolas Trudeau, même, Justin Trudeau, même, il danse quand il y a la campagne. Mais on n'a jamais appris que le Prado allait dans une boîte de nuit à Abidjan. Il n'est jamais allé dans les coins insalubres pour encourager les jeunes à le faire. Il n'en l'a jamais fait. Vous comprenez? Il ne l'a jamais fait. Donc, tout est intérêt dans le monde. Tant que tu n'as pas compris qu'on est dans un monde d'intérêt, tu perds ton temps. Tu vas suivre les gens, tu vas applaudir jusqu'à le jour où tu te rends compte, tu es dans le tombeau et la seule chose qu'ils ont fait sur toi, les hommes de Dieu, soit un pasteur, soit un prêtre, soit un imam, et la prier pour toi. Voilà tout le bénéfice que tu as eu. Et rien ne prouve que tu vas aller au paradis. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Je voudrais encore saluer le directeur général de la police. Le général Kouyaté. Vous savez, Dieu crée des gens brillants sur la terre des hommes. J'ai connu Kouyaté, j'étais en première année à l'université, et lui, il était en maîtrise. Il était très, 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 très brillant en sciences éco. Très brillant en sciences éco. Et très jovial. Et il aimait les plus petits que nous sommes là. Tellement son humanisme était tellement grand. On est avec lui en cité universitaire sous l'arbre, entre 12h et 14h. Et il faisait la comédie. Et on rit, on parle de beaucoup de choses. Et vraiment, un jour, moi, je ne voulais pas qu'il parte. Parce qu'on a un meilleur frère, mais il fallait qu'il parte. Et il a eu un coup, le concours pour aller à l'école de police. Un coup, c'est pas deux fois, hein. Il a eu un coup. On était encore à l'université quand on a appris. J'étais maintenant en licence, on l'a affecté à Toubodi. Toubodi, il était à Toubodi. Donc, vous savez, quand tu es étudiant, tu raquettes beaucoup. Mais, quand on a préparé trois personnes pour aller le voir, on a hésité, non, Toubodi, c'est loin, Toubodi, pourquoi on ne l'a pas amené à Abidjan? Il était à Toumoudi quand il a eu le prix. Jeune policier, jeune officier, jeune commissaire. Le prix du meilleur policier de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est vrai. Quand l'étoile, là, ton âme brille, là, tu reçois tout. Quelqu'un qui vient de sortir, qui commence à Toumoudi, il y a eu des gens qui ont fait de braquage. Ils avaient près de 300 millions et les malfrats lui ont proposé ça. Il dit, je ne prends pas. C'est rare sur notre tropique, hein.
Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est béni, et puis il évolue, il a une histoire. 300 millions sur les braqueurs, là. Ils ont dit, monsieur le commissaire, on va vous donner ça. Il dit qu'il ne veut pas. C'était au temps de Dibona. Il a pris l'argent pour venir donner à Dibona. Pour dire, voilà l'argent qu'on veut me donner, j'ai attrapé tous ces gens. Ces malfrats-là, ils sont à la prison de Toubodi. Les mois qui ont suivi, meilleurs policiers de Côte d'Ivoire. Ça, là, ça a motivé certaines personnes qui l'ont proposé au président Gbagbo, qui a dit un homme qui est si intègre, il peut être dans la sécurité, mais gérer CRS2, à CRS2, là. Et à Trècheville, c'est là-bas, il était à côté de Yves Sepp, là. Meilleur policier de Côte d'Ivoire. Ça fait deux fois, non? Sous Bédier, meilleur policier de Côte d'Ivoire. Sous Guéry Robert, meilleur policier de Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo Laurent, meilleur policier de Côte d'Ivoire. Incroyable. Ça se passe pas comme ça, hein? Sous le président Alassane Ouattara, meilleur policier de Côte d'Ivoire. C'est un homme béni et je suis fier du grand frère que j'appelle affectueusement la couille ou Eric B. Je le salue majestueusement. C'est une fierté. C'est lui qui a convoqué Damana Picasso. C'est un homme de paix. Si j'étais à sa place dans son bureau, j'arrêtais Damana Picasso. Mais comme il est un aîné et puis peut-être il est plus intelligent que moi, il est sage, j'allais arrêter Damana Picasso, mais lui, il n'a pas fait, il a encore mis aux arrêts. Il lui a donné des conseils. Dites à Damana Picasso, quand on t'appelle pour te donner des conseils, le jour où tu récidives là, on te met dedans une manière de dire à la communauté internationale qu'on lui avait donné des conseils, il n'a pas voulu suivre. C'est la stratégie. Donc, je voudrais saluer le général Kouyaté Fama pour le grand travail abattu en symbiose avec le ministre de la Sécurité, Diomandé Vagondo, qui est un homme d'expérience, un homme grand aussi. Vous voyez, ceux qui vont manipuler les malfrats pour attaquer notre pauvre pays, c'est-à-dire eux, il faut qu'il y ait la mort partout. Je vais leur dire quelque chose aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire entre 1994 et 2011. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire entre 1994 où le vin était la consommation principale de quelqu'un qu'on connaît, je ne vais pas dire son nom, qui a été surpris au moment où il était en train de, dans la vie, la vie mondaine, dans une ville de Daouko, et qui a été chassé. On n'est plus à l'époque de Guy Robert, qui pensait qu'il fallait manger les grenouilles tous les jours pour avancer, qui a été chassé. On n'est plus à l'époque du danseur international. Moi-même, je vais produire le président Gbagbo, parce que il va produire une cassette de bébé que nous allons valoriser à l'international parce qu'il sait ce qu'il sait mieux faire, il ne connaît pas la politique. J'ai mis un peu d'argent de côté, dites au président Gbagbo que je vais le produire. Parce qu'il sait danser bébé et nous allons vendre la cassette là partout. Parce que quand il va venir en Côte d'Ivoire, il faut qu'il ait un peu d'argent pour qu'il ait l'argent. Bah, il sait danser. Mais, dites au président Gbagbo, quand il va venir, il va se perdre d'Abidjan hein, parce qu'il ne va plus reconnaître Abidjan. La boue, il passait partout et puis il glissait. Puis les gars de corps le transportaient comme un colon. Autant de colons, là, nos parents portaient les gens là sur la tête. Là. C'est comme ça on le portait. Il faut lui dire que c'est fini. Rue Princesse n'est plus là. Donc, on ne va pas danser. Hein. Rue Princesse là n'est plus là. Donc, il ne va plus danser. Le danseur international. Il ne va plus danser. Et le grand Prado, lui, il ne danse pas, mais il réfléchit. Il réfléchit jusqu'à quand il lève les yeux, ici là, troisième doigt, bon doigt passé. Ah, président, l'eau est profonde et puis l'eau coule trop. Il dit, j'ai dit, le troisième bon doigt passé là. Les ingénieurs, ah, président, ça là, c'est notre travail. Il dit, je vous ai dit là, on peut faire. Et le troisième pont passe. On dit, la corniche, on n'a jamais pu faire ça. Mais tu dois bouffer tout l'argent là. Avec ses collaborateurs, on ne peut plus jamais faire ça. Autant de ouf, même l'eau a tué les gens à la corniche là.
Autant de fous, on n'a pas pu régler ça. Autant de bédiers, ils ont décaissé l'argent, ils ont bouffé tout. Ils disent que c'est un creux. On doit, en saison pluvieuse, on doit se contenter de ça. Et prier Dieu. Autant de Guy Robert, même chose. Ce Cro-Magnon de Guy Robert, lui-même, il était à la corniche. Donc, il voyait le coin, il n'a rien fait en 10 mois. 10 ans du président Gbagbo. Rien. Tu es dans ta voiture et puis l'autre t'emporte. Tu deviens un poisson dans la lagune. Le président dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est un petit problème ça. Il faut mettre un pont. Un pont sur la corniche. Ah, le Prado, c'est un grand homme. Et il est en train de faire ça. C'est-à-dire, ce n'est pas les ingénieurs, mais lui-même. C'est l'expert international. Donc, il sait qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est physique, c'est visible. Ce qu'il dit là, si c'est faux, vous voyez. Les gens disent, ils vont casser les maisons. Et comme ça, ils ne comprennent rien du développement d'Abidjan que le Prado voit à l'horizon 2050. Ce qu'Abidjan doit être là. Il dit, il faut faire le quatrième pont là. Parce que l'autoroute là, a trop de voitures maintenant, donc là où l'autoroute est trop achalandée, a trop de trafic. Donc il faut une voie de dégagement, un quatrième pont qui va, ils ont rêvé. Il dit, il faut un quatrième pont. Même si tu es aveugle, va voir là, le quatrième pont est en train de sortir de terre. Et on sait que jusqu'à la fin de cette année, le quatrième pont est fini. Mais, quand quelqu'un m'écrit, il veut parler un peu de Gbagbo. Même planche qu'on met sur le caniveau pour traverser quand il pleut là. Gbagbo n'a pas déposé planche de 1000 francs là. Planche, la planche. Vous connaissez la planche? Bois là. Bois. Il n'a pas déposé. Donc, quel bilan je vais dire? Quand il parle là, il n'a pas honte. C'est qu'il y avait la guerre. Il n'y avait pas la guerre à Divo. Il n'y avait pas la guerre à Gagnoa. Il n'y avait pas la guerre à Guiglo. Il n'y avait pas la guerre à San Pedro. Il n'y avait pas la guerre. À Issia. Il n'y avait pas la guerre à Dabou. Vous avez trompé les gens, vous avez pris tout l'argent. Maintenant. Quand vous faites vos réunions, vous vous dites, on va attaquer le pays, je vous dis, et je le redis aujourd'hui, partagez cette vidéo. Partagez fort cette vidéo et mettez des cœurs. Un coup d'État n'est plus possible en Côte d'Ivoire. Regardez. Même l'infirmier complice là, Yapoga, l'infirmier militaire qui est au HMA, qui est complice, ils l'ont pris, non? Tout est sur écoute. Le prêtre doit développer tous les systèmes. Même tu es en train de parler à ta femme dans la maison, ils sont au courant. Un seul mot, tu es en train de bailler, tu fais un coup d'État, tu es pris. Même tu passes seul dans la rue, il n'y a personne à côté de toi, et puis tu fais ça. Attentat, tu es pris. Tu es dans le plateau, et puis tu as un comportement bizarre, comme si tu fais, il est 19h, comme si tu fais des gestes. Tu es pris. Vous êtes allé prendre des jeunes, des pauvres jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. Vous êtes allé les prendre pour les engager. Il y a des pays où les enquêtes font 1 an. Mais chez nous, là, en 2 semaines, on a su qu'il y a 15 Ivoiriens dedans. Il y a 8 Camerounais qui sont venus et qui font comme s'ils étaient des chrétiens venus prier. Et beaucoup de personnes, des Libériens, on les a tous pris. Ils vont nier la prison pendant 20 ans. Prado là. Il ne faut pas qu'ils vont m'appeler au pays. Hein. Parce que s'ils m'appellent là, la première proposition que je vais faire à l'Assemblée nationale, c'est la peine de mort que je vais proposer. Un homme qui attaque le pays et on le met en prison et on lui donne à manger. Un homme qui attaque le pays, qui attaque les camps militaires, on le met en prison, on lui donne à manger. Non, avec moi, ça ne va pas marcher. La peine de mort. Vous savez, pourquoi des grands pays comme l'Arabie Saoudite est stable? Tu as fait ça.
on te fusille, on te dit de choisir. On te gorge ou on te fusille. Voilà. Ou il y a une autre méthode, on attache tes pieds, tes bras, et puis on te met sur un caillou et puis on te jette dans la lagune ébriée. On t'attache tes bras sur le caillou et puis on te met dans un sac, on attache, et puis on te jette dans l'eau, et puis tu vas en profondeur dans la boue. C'est ce qui doit être fait. Et quand cela va être fait, vous allez voir des gens qui vont plus déranger la quiétude des Ivoiriens. Un coup d'État n'est plus possible en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Un coup d'État n'est plus possible en Côte d'Ivoire. Même le général qui commande les troupes, s'il veut faire autrement, il est pris. Ils sont tous suivis. La différence entre ceux qui avaient le pouvoir avant et ceux qui l'ont maintenant, il y a un groupe qui était dans le vin. Donc on dit, il y a un malfrat qui rentre dans le vent pour venir leur faire du mal, ils ne sont pas au courant. Il y a un autre qui est venu, lui il mangeait toutes les grenouilles de la forêt, des eaux sales. Et il tuait les enfants des gens avec Camorra, avec PC Crise. Donc il ne maîtrisait pas les renseignements, ils l'ont jeté. Il y a un autre qui est venu, il a passé le clair de son temps à danser à la rue Princesse. Il dansait à la rue Princesse tous les jours. Et en bas de la cathédrale, il y avait un coin là-bas, là. Comment on appelle ce coin-là? Il y a un bar là-bas. La nuit, il va danser dedans. Vous avez une fois appris que le docteur Alassane Ouattara est allé danser dans une boîte de nuit la nuit. Vous avez dansé qu'il a une copine où il perd son temps. La Côte d'Ivoire est sa préoccupation majeure. La Côte d'Ivoire est sa préoccupation majeure. Et on ne ment pas, on dit ce qui est. Il n'est jamais allé dans une boîte de nuit. Même à Paris. Quand il veut faire du sport, il a un vélo chez lui à la main, vélo de maison. Là. Il fait du sport et après il marche dans la cour. C'est ce que Oufou était. C'est comme ça Oufou était. Et quand Oufou fait les 100 pas, c'est Ayam Soukou qui fait les 100 pas, hein, ces gardes qui vivent en gros pour leur demander. Il prétexte de quelque chose et il va rendre visite aux églises, il va à la mosquée, il va rendre visite aux gens, il va dans des coins Ayam Soukou pour marcher et après il monte dans sa voiture, il s'en va. Ou bien il va dans ses plantations à Bokwamekro, à Kbangbasou, à la plantation à Giglo. Parce qu'il faut connaître. Il va à Bokwamekro, il va à Giglo, il va à Kbangbasou. Il va à Petit Giglo, il va dans ses plantations pour faire les 100 pas. C'est Alassane Ouattara, c'est un fou incarné. Nous avons pleuré pendant 20 ans, 30 ans. Eh Dieu, on sait que le fou est vieux, il devait partir. Mais ce qui nous arrive là, on ne comprend plus. Il y a Escadron de la mort, il y a PC Crise, il y a Camorra, il y a tout ça là. Grâce à Dieu, Dieu a envoyé le Prado. J'ai dit, s'il y a 5 piliers à prendre en compte dans le développement, Ado a eu 19. Il y a un où je lui donne 10 sur 20. La prise en compte des jeunes. Il décaisse beaucoup d'argent. Donc le Prado même actuellement, il ne peut pas comprendre même que l'opposition appelle des jeunes dans la rue et puis ils vont passer pour lui tout l'argent, des milliards qu'il a décaissé. Les jeunes déjà, ils sont heureux. Mais en réalité, il y a des sales types autour de lui qui font des jeux, qui se disent, il va aller souffrir en Europe quand on lui donne un peu, eux, quand ils viennent, lui, ils bouffent ça. Ils sont malhonnêtes. C'est pourquoi j'ai dit, M. Koulibaly Lamine, qui est un de ceux-là, qui est le directeur général de l'AGEF. Lui, qui escroque les gens, c'est-à-dire, il vend le terrain à 30 personnes. Lui-là même, vraiment, dans sa vie antérieure, avant de renaître et devenir un malinqué, il devait être un ébrié. Mais ce Koulibaly Lamine, là, qui est le directeur général de l'AGEF, c'est un ébrié qui est là. C'est-à-dire, il était ébrié, et puis il est mort, puis Dieu l'a renvoyé, maintenant il est devenu Djoula. Sinon, c'est un ébrié. Djoula ne vend pas terrain comme ça, Abidjan. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on m'apprend
Julien ne vend pas terrain. Julien a sa boutique, Julien a sa voiture. Mais lui, s'est spécialisé dans la vente des terrains. Et, pour ne pas mentir, on dit qu'il a son complice qui est un ébrier, qui s'appelle Mobio. Vous voyez? Parce que, par exemple, moi je suis là. Quand je suis en face de ce qu'on appelle les Djoula, ou ce qu'on appelle surtout les Senoufo, j'ai un faible. Quand on dit que quelqu'un est Senoufo, j'ai un faible, parce que peut-être que dans ma vie antérieure, j'étais Senoufo ou Djoula, et quand je suis parti chez Dieu, je suis revenu, je suis devenu Dida, et pour ne pas perdre la connexion, Dieu a fait en sorte que je sois aux mains des Senoufo là, qui m'ont donné leur éducation. Voilà. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un me dit, par exemple, je suis Konaté, je suis Koulibaly, je suis Kanté, je suis Touré, et c'est étonné les gens habitants, que toi, là, dans tes relations, sont les douleurs seulement. Parce que l'âme là, tu le veux ou pas, il y a où là où ton cœur est en paix. C'est ça. Là où ton cœur est en paix, là, c'est avec que tu es. Donc, monsieur Koulibaly Lamine, qui est un ébrier, dans sa vie antérieure, ce comportement d'ébrier-là l'a suivi. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons faire une émission spéciale sur la vente des terrains à Abidjan. Vous voyez, des jeunes, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils sont malinqués, ils sont djoula. Leur papa a acheté le terrain depuis des années. Ils font garage là et ils mangent. Tu appelles les jeunes là, tu leur dis, donnez-moi un peu. Mais on a quoi? Mécanique, on fait, on gagne quoi? Le lendemain, il prend les caterpillars pour casser les magasins, casser les voitures de tout le monde. Il dit, vous ne pouvez pas arriver quelque part. Et il donne la place à un Libanais. Libanais qui vient de loin, là. Des petits djoulas en carême. Et leur prière, là, qui vont dire devant Dieu, et c'est toi, Koulibaly, la mine, ta prière peut monter. Tu n'es pas en carême, tu es en grève de la faim. Mais les dossiers affluent. Nous allons en parler jusqu'à ce que le Prado le chasse de son poste. C'est un malhonnête. Il a grugé une femme malinquée aussi. Elle est en Italie. Il a grugé cette femme-là. Cette femme qui est malinquée, elle m'a dit, petit frère, je préfère mourir en Italie ici. Je ne retourne plus en Côte d'Ivoire parce que j'ai fait l'étage de niveau là. Il a cassé tout. Toute mon économie, j'ai mis dedans, il a cassé. Et cette femme malinquée là, elle a rendu dans une misère impensable à la complicité de son ami Mobio et Abou Diaras qui est à la mairie d'Abobo. Donc, voilà, roule Michel, roule. Donc, tout ce que je dis là, c'est pour que le faux cesse en Côte d'Ivoire. Le faux. J'ai un mot pour le directeur général de la SOTRA, il n'a pas mal fait. Le directeur général de la SOTRA n'a pas mal fait. Mais son directeur de l'exploitation, c'est pas le directeur général, mais j'interpelle le directeur général pour qu'il dise à son directeur de l'exploitation, la SOTRA aujourd'hui ne doit pas se gérer comme en 1980. La SOTRA aujourd'hui ne doit pas se gérer comme en 1980. Le directeur général est compétent. Mais son directeur des exploitations, là, qui le chasse? Parce que, on ne sait plus, le Prado a fait acheter des autobus, au point où quelqu'un ne peut pas attendre 30 minutes à l'arrêt aujourd'hui à Abidjan, parce que le Prado ne veut pas que le Prado démissionne. On ne peut plus gérer. La SOTRA comme en 1980. Quelqu'un va s'arrêter à l'arrêt, les autobus sont garés là-bas. Il y a au moins 500 personnes qui sont à l'arrêt. Et ils ont la liste que Mme Guidi Wanga, la programmation qu'elle a faite en 1980, là, c'est ça qu'ils exploitent en 2021. C'est-à-dire 45 ans après, 41 ans après. C'est honteux. Les gens sont aux arrêts. Pendant 2 heures d'état en train d'atteindre un autobus, oh, il y a 5000 autobus qui sont arrêtés, qui ne font rien. Et les gens sont obligés de monter par les vitres.
Le jour où il va avoir un drame, c'est la chose. Donc le directeur général, lui, n'est pas informé. Mais son directeur d'exploitation, c'est un minable individu. On dit, il a pris le plan, et les gens de la sauvegarde m'ont dit, il a pris le plan seulement. Il dit, mais Guidi, on a déjà fait la programmation. On regarde, octobre 1980. Il dit, mais c'est ça, on va appliquer. Si tu ne connais pas le travail, il faut quitter. Mais c'est le directeur d'exploitation. Parce que tu risques de gâter le nom de DG, qui est un homme compétent. Le Prado l'a nommé, il est compétent. Et le DG est tellement compétent, c'est pourquoi il obéit aux ordres du Prado pour envoyer des centaines et les meilleurs bus en Afrique occidentale. C'est en Côte d'Ivoire, les meilleurs bus. Et le DG réfléchit tellement qu'il va mettre des... Il a mis les autobus à Boaké, les autobus seront à Daloa, les autobus seront à Yamoussoukro, dans les grandes agglomérations. Mais toi, directeur de la programmation, tu sors un truc d'octobre 1980. Bon, maintenant, concernant Jean Bonnet, c'est simple. C'est simple. Jean Bonnet ne quitte pas le RPI parce qu'il n'aime pas le RPI. Mais on est dans un monde d'intérêt. Jean Bonnet ne va plus manger parce que ce n'est pas le salaire d'Afrique Gessant qu'il mangeait. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un certain nombre de députés, l'État te donne 800 millions et plus. Quand il y a un petit nombre de députés là, l'État te donne 800 millions et plus. Donc Jean Bonnet est dans les pattes d'Afin Guessant, parce que c'est cet argent que les deux bouffaient. C'était leur caisse personnelle. Ils ont eu deux députés. Jean Bonnet qui ne travaille pas là, qui est là pour crier pour Afin, Afin le paye. Et il roule une vie de pacha, une grosse Mercedes quand tu vois Pharaon là. Aujourd'hui là, Afi ne remplit pas ses conditions. Donc, même si le Prado donne quelque chose à Afi, c'est un truc personnel. Avec son argent de député, Jean Bonnet a fait son calcul. Il sait que ça va chauffer. Donc, ce n'est pas la conviction qui le fait partir. Il dit ça en entreprise, mais en réalité, un homme comme ça, c'est un militaire au RHDP pour avoir à manger. C'est tout. Si Afi avait eu même simplement 5 députés, Jean Bonnet n'avait pas démissionné parce que l'argent serait toujours là. Est-ce que vous avez compris? Il y a un nombre de députés qu'il faut avoir. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent aujourd'hui là? Les financements là vont aller à EDS et les financements vont toujours aller au PDCI. Parce qu'ils remplissent les conditions du nombre de députés. Ce n'est pas beaucoup, je crois que c'est 3 ou 4 là. Mais Afi a eu 2. Donc, il ne va pas manger. Donc, il trahit Afin Guessant en réalité parce qu'Afi ne va plus lui donner à manger. C'est un opportuniste. Seul l'argent l'intéresse. Le jeûne que vous faites là, le carême que vous faites, dans vos prières, il faut soutenir le Prado. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui très fort. Prado, c'est la réincarnation de Félix Houphouët-Boigny. Des gens qui ont 27 cerveaux et qui ont 7 étoiles sur leur âme, Prado est dedans. Voyez sa carrière. Dans toute la Côte d'Ivoire, là, je dis bien dans toute la Côte d'Ivoire, où on est 25 millions, 26 millions d'habitants. Là. Dites-moi le nom de quelqu'un qui a eu une telle carrière. Bon, de tous les Africains de couleur noire et choses arabes, là, qui a eu cette carrière? Il a bien étudié. Les deux grosses institutions, là, Fonds monétaire et Banque mondiale, là, il était dedans. Il est venu à la BCE. Il est venu comme premier ministre en Côte d'Ivoire. Président de parti. Chef de l'État, président de la République. Il écrivait en Afrique, là, un seul nom de quelqu'un qui a eu cette gloire-là. Quelqu'un, ça dit que on ne peut plus mentir aux gens. On ne peut plus. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le maçon, c'est quand ils sont venus désintoxiquer à un baïgon, la toile. À la Sam Ouattara, il n'y a pas quelqu'un en Afrique né d'une femme qui a cette carrière-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
J'ai expliqué l'histoire de Tiam. L'argent que le vieux fou que je recette a volé, là, qu'il a mis dans les banques à les Européens, là. Il avait plus d'argent, donc ils ont appelé Tiam. Tiam, Tiam n'est pas un banquier en réalité. Il a fait la banque. Il a étudié l'économie en module. L'économie en polytechnique n'était pas sa base. C'est comme j'étudie, et puis il y a un peu, quoi on dit, gestion de projet. Pour que je sache comment on budgétise un projet, comment on conçoit un projet, tout ça là. Mais ça, c'est un module. C'est comme je ne vais jamais vous dire que dans mes études, j'ai fait les sciences politiques. Non! Je n'ai pas fait les sciences po. J'ai fait les sciences po en module, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'on me donne de journaliste à une certaine époque, pour que je puisse comprendre le métier, on a mis les sciences po dedans, les modules de sciences po, pour que je puisse cerner si je suis devant quelqu'un qui est un politologue averti ou un homme politique, je puisse l'appréhender. On a mis à cette époque-là l'économie dedans pour qu'on puisse savoir si je suis devant quelqu'un et que c'est un économiste, pour qu'on puisse savoir au moins ce que je vais lui dire, même si plus tard après j'ai étudié tout ce qui est finance. C'est la même chose. C'est l'argent de son grand-père hier. Tiens, m'a été ministre. Je dis, il n'y a pas un Africain du Cap de Bonne-Espérance jusqu'à Tanger, du Maroc jusqu'au Swaziland, de Tambacounda jusqu'à Ziguinchor. Il n'y a pas un Africain qui a eu une carrière comme Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Gala Galo, ce n'est pas une affaire de tronc commun. Quand on parle, il faut écouter. C'est-à-dire, quand tu es en train d'étudier une matière, les coefficients de la matière principale sont grands, mais il y a des choses qu'on met dedans pour te permettre d'avoir une autre idée de la vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quelqu'un s'en va à l'école de journalisme, mais en étudiant les techniques de rédaction, les techniques audio, visuelles, comment présenter un journal télé, comment présenter, écrire pour un journal à la radio, comment écrire pour un journal imprimé, c'est-à-dire que vous voyez dans les kiosques, ça c'est le métier. Mais à côté de cela, on te donne la formation de comptable. Pour ne pas que tu sois vil comme ça, comptable. On te dit l'économie, c'est comme ça. La comptabilité, là, voilà débit, crédit, voilà ce que ça veut dire. Si tu es comptable, voilà quand tu es en banque, on te donne les idées. Et puis, on te donne une formation d'économie générale. Et puis, on dit, voilà une formation de Sciences Po. Voilà un module de Sciences Po. Mais ce n'est pas dit que c'est les sciences politiques que tu étudies. On te donne une idée. J'ai compris? Donc, jamais je ne vais vous mettre là pour me mettre là pour dire j'ai fait les sciences po. C'est faux. Sciences po, là, c'est une branche à part. Comprenez? Même quand on étudie les finances, dans les finances, il y a des choses qu'on introduit qui vont te soutenir dans le travail, la statistique par exemple, pour te soutenir dans le travail que tu vas faire, parce que tu auras besoin de ça. Donc je dis, depuis que je vous ai posé la question, je dis d'écrire, celui qui a eu cette chance après que le Prado, il n'y en a pas. C'est pourquoi il est un homme qui réfléchit. Vous voyez, j'ai dit, la banque Rothschild, où Macron est passé, là, Macron n'a pas encore atteint la dimension du Prado. Ce n'est pas l'ENA de France là, qui fait affaire, l'ENA. Je vais vous présenter la photo de Macron avec Thiam. Thiam et Macron sont des amis. J'ai même la photo où, avant que Macron ne soit président, ils sont dans un restaurant en train de manger. Macron est en costume et Thiam est en costume et Macron en chemise blanche, simple. Et cette photo a été prise, ça fait au moins 10 ans. Ce sont des amis. Donc naturellement, si j'apprends qu'un ami a été nommé à un poste au Rwanda pour gérer quelque chose, qu'est-ce qui me gêne de dire félicitations?
Ce n'est pas dit qu'il est meilleur. Notre compatriote, Thiam, ce n'est pas dit qu'il est meilleur. C'est pourquoi je vous dis que quand on parle du Prado, là, c'est une icône. Vous voyez la longueur de ce doigt-là. Si je dois me comparer au Prado, même je ne suis même pas à la base. C'est-à-dire, je ne suis même pas à la base ici, là. On ne me voit même pas. C'est ça qui est vrai. On ne me voit même pas. C'est comme le vent qu'on ne voit pas là. Le Prado, c'est une citadelle. Comprenez? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le peuple, Thiam a fait. Thiam qui était à la banque, on a chassé là. Vous voulez qu'on dise quoi même? Oufoué a volé beaucoup d'argent. Oufoué avait beaucoup d'argent. Qui l'a mis en Europe? Pas sur les banques ivoiriennes. Et dans la gestion d'une entreprise, toi qui as beaucoup, dans une entreprise simple, dans le conseil d'administration, c'est toi qu'on demande qui on met là. Thiam est l'héritier d'Oufoué. Si vous ne le savez pas, Thiam et ses frères sont les héritiers d'Oufoué. Vous voyez, c'est la ligne matrilinéaire. C'est la ligne matrilinéaire. Oufoué même l'a dit. Il a dit ce sont les enfants Thiam qui sont les héritiers. Maintenant, cette banque-là appelle les enfants. Parmi eux, qui est le mieux formé? C'est Thiam qui est mieux formé que ses frères et sœurs. Donc, c'est lui qu'ils ont pris, qu'ils ont propulsé. Il n'a pas encore atteint la dimension d'Alassane Ouattara. Pourquoi on ne l'appelle pas au Fonds monétaire? Est-ce que tout le monde en appelle? Alassane Ouattara, vous oubliez, il a été directeur Afrique du Fonds monétaire. Il a été gouverneur de la BCAO. Il a été conseiller de la Société financière internationale. Conseiller de la Banque mondiale. Et il est venu pour la BCAO. Et il est venu comme premier ministre en Côte d'Ivoire. Il faut le savoir. Mais, quand tu n'aimes pas une personne, vous êtes de manière sectaire, là. Nous, là. On dit ce qui est vérifiable, est quantifiable, est palpable. On ne raisonne pas quelqu'un pour faire plaisir. On ne blague pas les gens. Donc, Thiam, là. J'ai la photo. Je vais poster la photo où il était avec, comme on l'appelle, là. Hein, Macron, là, vous allez voir. Vous avez quoi? Tes amis de longue date. C'est pourquoi il le félicite. Sinon, c'est pas une valeur. Je vais mettre la photo. J'ai ça, hein. Je mets la photo. Ce matin même, il y a une. Heureusement que je n'ai pas tout effacé. C'était quatre photos. Il y a une que j'ai effacée. Par exemple, j'ai dit, je ne veux pas que mon ordinateur ait trop d'images. Ce matin même, où ils étaient ensemble, très jeunes, et que j'ai effacé, heureusement. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas se mentir. Il faut dire la vérité. Ah, j'ai déjà posté. Ah, ok. J'ai posté cette photo, mais je vais la poster encore. J'ai posté, mais quand même, 2 ans, 3 ans. Je vais la poster encore pour désintoxiquer les gens. À l'heure, là, c'est Ado le meilleur de toute l'Afrique. Hein. La carrière de Thiam, c'est quoi? Faut pas qu'on va parler. Et puis, on peut pas comparer un chat. Même si le chat a la même forme que le tigre, mais ils sont pas les mêmes. Thiam, c'est un chat. Alassane Ouattara, c'est le tigre. Même si le tigre maigrit, il ne deviendra jamais un chat. Voilà. Ado, toi, tu es inscrit dans un parti politique dont tu veux même, c'est-à-dire toi-même, tu veux qu'on dise, Védi est le meilleur de toute l'Afrique. Et ils ont des raisonnements sectaires comme ça, là.
Ou bien, Gbagbo est le meilleur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller et des raisonnements sectaires comme ça. Blé Goudé est le meilleur. Parce qu'il se dit, leur cerveau là, on dit Alassane Ouattara le meilleur. C'est vrai, c'est le meilleur. On a vu son parcours d'étudiant. Très brillant. Au Fonds monétaire, c'est pratiquement après 10 ans qu'on recrute les gens au Fonds monétaire. 10 ans de carrière, si tu as la chance. Quand Alassane Ouattara a fini son université, première fonction, l'on recrute au Fonds monétaire. Vous pensez que chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu es le fils de qui là? Vous pensez que les plans là, c'est comme ça? Tu es l'enfant de qui? Tu viens de quel village? C'est pas l'Afrique, n'évolue pas. Lui, noir, enfant noir, peau noire, venu d'Afrique. Il a fini ses études. Ils l'ont pris au Fonds monétaire, premier poste. Il n'y a pas de débat. Premier poste. C'est-à-dire, tu as fini l'université là. Hein? Tu dois caracoler, aller peut-être dans un cabinet de comptabilité, comme j'étais à Laval ici là. Et puis, à peine même on te paye bien et tu souffres. Ici là, à Laval, je n'ai pas dit le nom du cabinet parce que tous ceux-là ils suivent pas, ils vont dire j'ai gâté leur nom. À peine, tu es fâché jusqu'à la maison même, tu as l'impression que c'est ceux qui sont à la maison là qui t'ont provoqué là. Tu n'es même pas bien payé, tu n'es pas heureux, tu n'es pas à l'aise, tu es obligé de démissionner. Pardon n'a pas fait ça. Lui là, quand il a fini l'étude là net, on dit toi tu vas au Fonds monétaire international. Ou bien qu'on parle, vous ne comprenez pas. Prenez son parcours. Tu vas au Fonds monétaire. Il était au Fonds monétaire quand les présidents se sont réunis pour lui dire, viens à Paris, parce que la BCAO était à Paris, elle n'était pas à Dakar. Viens, tu vas préparer le déplacement de la BCAO de Paris à Dakar. Il a fait ça. Il était dedans. Quand ils l'ont rappelé au Fonds monétaire pour dire, tu nous as dit, tu allais pour 3 ans, il faut revenir au Fonds monétaire. Il allait au Fonds monétaire. Il était là-bas qu'ils l'ont nommé directeur Afrique du Fonds monétaire. Parce qu'il voulait se rapprocher de son continent, ça s'imposait aux Blancs. Ils ont voulu l'avoir directeur Afrique du Fonds monétaire. Après, la BCAO a besoin de lui. Les chefs d'État disent pour venir. Par le gouverneur Abouda, il est revenu à la BCAO comme conseiller. Et ensuite, vice-gouverneur. C'est la vérité que je vous dis. Il était dedans. Et ils ont dit à Oufou, le seul qui peut te sauver dans cette situation-là, va prendre ton fils à la Sandouattara. Il allait le prendre. Est-ce que j'invente quelque chose? Là où tous les économistes ivoiriens réunis avaient échoué dans 2 plans. Le premier dirigé par Seri Nyoleba, il a échoué avec son équipe. Le deuxième dirigé par Koumoué Kofi qui vit encore, il a échoué avec son équipe. Oufoué, pratiquement tremblant parce que les coups d'État se multipliaient, les gens avaient faim. Il allait prendre Alassane Ouattara devant nous. Et il est venu redresser l'économie. Et ce que Oufoué a dit à l'État d'Ivoire, je n'ai pas dit, on dit j'étais là. On connaît. Quand il a fini, les Blancs disent, ils n'ont pas besoin de tourner. Quand tu es au garage comme ça, là, c'est pas tout le monde qui rebondit. Hein? C'est pas tous les gens qui rebondissent. Hein? Nicéphore Soglo était au garage, au Bénin. Vous avez appris qu'on l'a rappelé au Fonds monétaire, ou bien à la Banque mondiale. Mais le président Alassane Ouattara est reparti au Fonds monétaire international. Il était là-bas, et il a dit, je vais servir mon pays. Il est venu président du RDR. Aujourd'hui, il est président de la République. Tiens-moi quelle carrière. Tiens-moi quelle carrière. Qui le connaît même? Un plaisantin. Qui le connaît? Donc, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer. Je vais pour le tout petit morceau de pain. C'est pas beaucoup. C'est compliqué, mais bon. J'espère qu'un jour... Comment tu peux garer derrière moi directement? Excusez-moi, hein. Excusez-moi. On ne peut pas reculer. Allô? Quand tu ne sais pas conduire, même c'est difficile. Tu ne sais pas conduire, c'est Cro-Magnon. Donc, tu
Siam, c'est notre frère. Il va réussir. Mais pour le moment, là, il n'est pas encore à la dimension du chef. Donc, bonne journée à vous. Je vais aller faire un peu de Jossi, là. Je vais aller faire un peu de Jossi. Bonne journée. Oh. Voilà. Grand chauffeur. Vidéo là n'est pas encore finie et tu parles. Voilà la vidéo là. Je m'en vais maintenant. Je m'en vais. Prado est le meilleur, hein. Bon, bonne journée à vous, les gars. Oh. Bonne journée à vous, les gars. Bonne journée à vous, les gars.